Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance pour savoir les messages pour vous d'un point de vue énergétique, collectif et individuel. Voilà, puisque tout est lié, on m'a emmenée à faire ce genre de guidance. Mais je tenais d'abord à vous remercier du fond du cœur pour encore une fois tout votre accueil, votre bienveillance, votre amour que vous m'envoyez tous les jours. Et je tenais vraiment à vous remercier. Je suis dans la gratitude chaque jour que j'œuvre sur mon chemin, ma mission de vie, appelez ça comme vous voulez. En tous les cas, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie. Je suis thérapeute de l'âme, médium, canal, clairaudiente. Et je reçois des messages que je vous transmets à travers les oracles ou en canalisation. Si lors de ce visionnage, cette guidance, vous ressentez des choses dans votre corps à mesure que je parle, eh bien c'est normal, c'est qu'il y a un soin qui se fait, un soin que vous avez besoin d'avoir, et tout est juste d'ailleurs. S'il se fait, c'est qu'il doit se faire. Tout est protégé, ma guidance est protégée, mes soins sont protégés. Donc vraiment, écoutez votre corps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, c'est tout. Voilà, on va aller regarder ça. Il n'y a pas de choix pour cette guidance-là parce qu'on m'a dit qu'il n'y en avait pas besoin. Donc, accueillez ce que vous devez accueillir. Si ça ne vous parle pas, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, dans votre cœur, dans votre âme. Vous le savez, vous devez le sentir. Voilà. Alors, je suis tombée sur une carte en allant au centre culturel et elle m'a parlé. Voilà, elle m'a parlé, elle m'a dit que c'était pour vous, pour cette guidance. Donc on va aller voir ce que je reçois en canalisation et puis je rajouterai des cartes au fur et à mesure et on verra ce qu'on me dira. Voilà les amis, c'est parti. Alors, hop, je vais vous montrer la carte et j'espère que vous allez voir. Voilà, hop. Ok. Alors, je ressens au niveau énergétique qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impactées. Qui part un petit peu dans tous les sens, qui n'arrivent pas à canaliser leurs énergies. Et on vous demande ici, il y a beaucoup de feu en fait, je ressens énormément de feu que vous en soyez conscient ou pas conscient, soit c'est beaucoup de feu à l'intérieur de vous, il y a une espèce de surchauffe où vous ressentez ce feu à l'extérieur et donc du coup ça vous impacte. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie ici. Et vous pouvez le ressentir pour certains dans votre corps ou vous allez le ressentir, d'accord? Dans votre mental aussi, il y a une certaine surchauffe. Il y a beaucoup de feu dans votre force aussi. Donc, on va vous demander de calmer ce feu, d'accord? Et de mettre ce feu au service de votre vision. Donc c'est comme si j'avais l'impression qu'on rétrécissait en fait ce feu pour atteindre une lumière, votre lumière intérieure ici. En fait, c'est pour vous servir à vous canaliser et à, comment vous dire, à rester centré sur votre vision. Pour certaines personnes, cette énergie, elle va vous rendre impatient.
Vous allez vouloir aller plus vite, vous allez vouloir atteindre votre but plus rapidement. En fait, on vous suggère ici de procéder à un moment de méditation, de recul, si vous en avez besoin et quand vous en avez besoin, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie qui partiront un petit peu dans tous les sens. Ici, on parle de la foi, de votre foi. Donc, on va vous centrer sur votre foi, encore une fois. La foi que vous avez en vos guides, au maître ascensionné, à vos ancêtres, à vos anges, les archanges qui sont tout autour de vous. Ils vous permettent de lâcher des résistances. Parce qu'il y a beaucoup de résistances en ce moment. C'est ça qui crée ce feu, en fait, cette tension. Peut-être que vous la ressentez à l'extérieur. Il y a des gens qui vont la ressentir à l'intérieur parce qu'ils seront concernés. Et il y a des gens qui vont la ressentir à l'extérieur parce qu'ils voient les choses. Ils sont conscients de ce qui se passe. Mais il y a des gens qui ne sont pas conscients. Donc il y aura, voyez, deux énergies comme ça. Donc, vous allez avoir besoin de moments de méditation, de recul, pour apaiser vos feux démesurés en vous. Voyez? Accordez-vous du temps de réflexion, surtout, temps de réflexion avant d'agir. Et de toute façon, vous allez vers un nouveau chemin ici. Un nouveau chemin. On me parle du feu et on me parle de l'air. Donc ici, l'air, en fait, il y a trop de feu et on vous demande de vous connecter à l'énergie de l'air. En vous, donc de retrouver à travers l'air votre souffle intérieur ici. À travers l'expression de la respiration. Il y a beaucoup de personnes qui ne respirent pas. Soit qui sont en apnée, soit qui courent en fait, qui sont impatients. Parce que je sens que vous avez conscientisé quelque chose. Il y a eu des conscientisations, des lumières qui se sont éclairées en vous. Et c'est comme si vous avez envie d'aller plus vite et de, comment vous dire, de poser des actions rapidement. Alors, on vous dit, poser des actions, c'est bien. Mais il faut les poser avec l'expression de la respiration, on dit. Remplir vos poumons pour retrouver la paix de l'esprit. Ici, vous avez besoin de trouver la paix de l'esprit dans vos actions. Et renouveler votre énergie. En fait, on vous amène à renouveler votre énergie. Et surtout, vous connecter à la paix de l'esprit. Parce que plus vous allez poser des actions comme ça, assez rapidement, sur le coup de l'impulsion, l'impulsivité, ou la colère, l'irritabilité, ou tout simplement parce que vous voulez aller plus vite, on va vous ramener à chaque fois à vous recentrer, à vous canaliser. C'est comme si je voyais vraiment vous, en ce moment, hein, des guides de lumière, vos guides en fait, hein, qui sont là depuis votre naissance. Un en particulier. Après, les guides, ils changent de toute façon à mesure que vous évoluez. Mais vous en avez un qui est toujours là, qui a toujours été là depuis votre naissance. Eh bien, lui et d'autres, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus présents pour vous permettre de respirer. De vous retrouver à travers votre respiration et la paix de l'esprit. Et plus vous allez vouloir, comment dire, griller des étapes, aller plus vite, et plus les événements, vous allez voir, vont vous permettre de vous recentrer et parfois même pour certains de vous remettre
face à quelque chose que vous avez fui ou que vous fuyez. On me parle de fuite. Ce qui crée des fuites énergétiques. Voyez? Donc, plus on va déjà vous permettre de conscientiser ce que vous fuyez. D'accord? Pour certains. Et c'est probablement inconscient, on dit ici. Hein, d'accord? Ça touche l'inconscient. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que peut-être on vous ralentit ou vous avez compris quelque chose et du coup vous ne comprenez pas pourquoi ça ne se passe pas comme vous avez envie que ça se passe. Et là où on vous dit ça ne se passera pas comme tu as envie que ça se passe. Parce que tu n'es pas, vous n'êtes pas dans le fait de vous canaliser. Il y a quelque chose que vous n'avez pas canalisé encore. Et c'est à ça qu'on vous ramène. Actuellement. À travers la foi, la prière aussi. Parce que ça me fait penser à la prière. Je vois beaucoup de regroupements, on va dire, comment dire, pour temporiser les choses, vous voyez? Mais j'ai l'impression que ça vient de l'armée d'en haut, là, l'armée céleste, vous voyez? Qui va venir temporiser les choses, parce qu'il y a un petit peu, ça part dans tous les sens, où on essaie de créer une énergie pour affoler les gens, pour apeurer les gens. Seulement, il y en a, ils sont conscients, voyez, et ils essayent de comment dire, de par leurs énergies, d'aider les autres à se canaliser. Et il y en a d'autres qui partent un petit peu dans tous les sens. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une énergie, voyez, qui se renouvelle à travers ça. Il y a comme une régénération, un rééquilibrage nécessaire. C'est comme si ça apportait une lumière nouvelle, une nouvelle lumière, une nouvelle vision, que ce soit individuellement ou collectif, au niveau collectif. Ça me fait penser aussi, et c'est ce que je ressens plutôt, c'est le fait de s'honorer. Il y a peut-être une part de vous, et c'est ok, que vous n'avez pas honoré. D'accord? Que vous n'avez pas totalement encore honoré. Et tout est juste, encore une fois, ça suit un processus. Et voyez, vous allumez une lumière, ça éclaire un espace. Vous allumez une nouvelle lumière, ça éclaire un espace. Et encore, et encore, et encore. Voilà. Et vous, ben, vous avez éclairé des espaces en vous. Et vous êtes en train d'éclairer un espace là en vous que vous n'avez pas totalement honoré. Et vous avez besoin de... J'entends rétrécissement, de rétrécissement, de rétrécir en fait, de canaliser votre énergie. Pour un nouveau souffle ici, un souffle nouveau. Et je le sens ce souffle nouveau, je le sens arriver pour vous, voyez? Je le sens. À travers la foi, à travers votre énergie, à travers tout ce qui se passe en fait. Il y a un souffle nouveau. Il y a quelque chose que vous allez rallumer à l'intérieur de vous. Un nouvel espace. Un espace que vous ne connaissez pas encore. Ouais, c'est un espace que vous ne connaissez pas encore à l'intérieur de vous. Mais tout vous ramène à cet espace.
et vous allez le découvrir. C'est une découverte, on me dit. Et je voyais voyage ici, vous voyez, bon voyage. Ben c'est ça, c'est un voyage que vous êtes en train de que vous allez entreprendre en vous, à l'intérieur de vous, et peut-être aussi vers l'extérieur du coup. C'est vraiment ce que je ressens à travers cette image. Ok les amis. Je vais aller prendre quelques cartes du coup maintenant pour voir un petit peu plus au niveau message énergétique, au niveau des messages pour vous. Ok. On me parle aussi de la Kundalini. Donc il y a beaucoup de personnes ici qui vont expérimenter cette comment dire, cette élévation au niveau vibratoire ici. C'est parce qu'on essaye de vous d'élever vos vibrations en fait. On fait tout pour que vous puissiez élever vos vibrations. Donc certains, vous allez l'expérimenter de différentes manières. Il y a des gens ici, on parle de Kundalini, d'accord? Il y a d'autres personnes qui vont faire un voyage et qui vont rencontrer des personnes qui vont totalement les bouleverser. Ça va ouvrir leur champ de vision, ce nouvel espace qui n'était pas encore éclairé à l'intérieur. Pour d'autres, ça sera, ça peut être n'importe quoi. Vous allez faire l'expérience, une expérience qui va révéler cet espace en vous. D'accord? Et on me parle de souffle nouveau, de nouveau souffle. De trouver la foi, de retrouver la foi, d'allumer la foi, on me dit. Alors là, c'est une photo qui vient d'Inde, donc ça peut vous parler. L'Inde. Peut-être que vous êtes en Inde, vous avez des origines indiennes, ou tout simplement ça vous parle. On parle ici aussi d'une vie antérieure, hein, ou peut-être vous avez, on vous a, comment dire, pour certains, c'est ça ce nouvel espace, c'est que vous allez, il va y avoir une révélation par rapport à une vie antérieure, où il y a eu comme une, pour certains on parle de persécution, on parle d'emprisonnement, de choses comme ça, de colère aussi, voyez, une émotion assez forte, et peut-être que vous l'avez vécu dans cette vie et ça du coup activé une mémoire ici de vie antérieure, un nouvel espace qui va créer un nouveau souffle parce qu'il va y avoir une purification. Le feu, je voyais beaucoup de feu, c'est aussi la purification. D'accord? Donc ça passe par le feu et l'air ici. Alors, au niveau message énergétique. Oui, ça me parle aussi des sorcières brûlées. Vous voyez, parce que je voyais beaucoup de feu. C'est une mémoire de sorcière où vous avez été brûlée. Vous avez été jugé, voilà, condamné. Et du coup, ici, il y a comme un... Vous voyez, c'est comme si tout reprenait sa juste place, en fait. Ce qu'on a banni, ce qu'on a jugé, ce qu'on a enfermé, etc., c'est comme s'il reprenait le pouvoir en ce moment. C'est comme si...
c'est comme si je voyais plein de personnes se redresser, vous voyez? Et vous, vous redressez aussi. Vous, vous redressez d'une manière ou d'une autre. Ouais. Je pense ici qu'il y a une mémoire qui s'est réactivée différemment chez chacun de vous. Et ça a permis de créer ce nouveau souffle. Souffle de vie. Souffle de vie, j'entends. Ouais. Vous allez rayonner à travers votre blessure. Vous allez transcender votre blessure. Vous allez l'utiliser et l'exprimer. On avait l'expression de diverses manières, à travers un art, à travers votre corps. Il y a comme quelque chose qui se libère, vous voyez, que je ressens ici. Et ce que vous êtes en train de faire, ça aide le collectif à faire la même chose. Forcément, on est tous liés. D'accord? Et ça, il faut être vraiment conscient de tout ça. C'est comme si je voyais, voyez, dans plusieurs pays, des mémoires du pays karmique en train de se nettoyer, reprendre son pouvoir, sa force, à travers la mémoire des ancêtres. Et c'est pareil d'un point de vue individuel. Et même si on ne le voit pas, même si on pense que c'est du brouillard ou que c'est, comment vous dire, que ça s'effondre, que ça... Oui, dans un sens, oui. Mais parce que la vérité doit éclater, que ce soit en vous ou d'un point de vue collectif, encore une fois. Et il fallait que ces mémoires se réactivent pour qu'on voie la vérité. Message énergétique pour vous, pour le collectif. Message énergétique. Vous avez peut-être, comment vous dire, je vais brasser, l'impression de vous confronter à des énergies basses. Et c'est le cas parce que c'est comme si, vous voyez, comme on activait des mémoires qui étaient enfouies, c'est comme si de la vapeur sortait de la terre, vous voyez. Et cette vapeur, ce sont toutes des énergies basses qui remontent à la surface, dont on est confronté individuellement, collectivement. Mais ce n'est que passager. Vous, ça va vous permettre justement, ça doit vous permettre de rehausser vos vibrations. Ce qu'on m'envoie comme image, en fait, message, d'un point de vue énergétique. Ok. Ouais, voyez, tu n'es pas aligné. Tu n'es pas aligné. C'est totalement ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est vous permettre, pour vous permettre de vous aligner. Vous étiez trop dans le mental. Trop dans les cogitations mentales. Ici, vous essayez de réfléchir, de donner du sens à quelque chose, en fait, dont on vous dit de lâcher. On vous centre dans votre énergie, dans votre souffle ici. C'est pas pour remonter dans le mental à comment vous dire? Ça vous persécute en fait, ça vous fait du mal de faire comme ça. Et on vous dit d'arrêter. C'est comme si on vous dit là-haut, vos anges, vos guides, peu importe, vous disent d'arrêter et de vous aligner à ce qui est bon pour vous, ce qui vous éclaire,
à rester centré sur vos énergies, à trouver, comment vous dire ça? À trouver votre alignement comment dire? Dans un nouvel espace en vous. Et c'est normal que vous soyez un petit peu chamboulé, chahuté, etc. C'est parce que vous ne le connaissez pas. Donc c'est comme si vous vous précipitiez ou que vous essayez de comprendre ce nouvel espace, en fait, sans l'avoir franchi encore. Peut-être parce que ça vous fait peur, peut-être parce que vous sentez qu'il y a un changement qui va se produire et que ça va bouleverser votre vie, que ça va changer énormément de choses. Et on vous dit de garder la foi. Voilà, j'entends vraiment la foi. Canalisez votre énergie. En dos de deck, on a la protection. De toute façon, vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé dans ce processus, on va dire. Même si vous pensez que c'est. Ça sera différent pour chacun. Pour certaines personnes, vous avez l'impression que c'est le chaos. Pour d'autres, vous avez l'impression que ça ne vous appartient pas, en fait, que vous captez des énergies qui ne sont pas à vous, et c'est le cas. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si on disait, et j'entendais, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à lâcher? Alignez-vous à votre espace intérieur, en vous, le plus possible, de multiples façons. Voyez, la patience, je vous l'ai dit, vous êtes pressé. Vous êtes impatient. Je ne sais pas sur quoi, sur quelle situation, sur quelle. Je ne sais pas. On voit quelque chose qui est inversé ici. Inversion des valeurs. Beaucoup de personnes changent radicalement de vision, d'un coup. Il y en a, c'est vraiment d'un coup. C'est le jour et la nuit, vous voyez? Il y a comme un shift énergétique et ça travaille dans le corps, voyez ça. C'est perturbant au niveau du corps. Et vous voulez pour autant que ça aille vite. On vous dit non, il faut du temps pour que ça se mette en place en fait. Pourquoi vous voulez aller plus vite? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce que vous fuyez, encore une fois, pour vouloir aller plus vite comme ça? Quand on veut aller plus vite, quand on veut courir, quelque part c'est qu'on veut fuir quelque chose ou on veut occulter quelque chose. Mais là, on vous dit, vous ne pouvez pas occulter cette chose-là. Vous ne pouvez pas l'occulter. Elle doit être mise en lumière. Vous ne pouvez pas la fuir non plus.
Donc on vous ramène encore une fois à cet espace où que vous devez découvrir en vous, qui mène à une vérité, des révélations, ce que vous voulez, une conscientisation, un rééquilibrage. C'est comme s'il y avait eu un déclic très fort, vous voyez, quelque chose qui a percuté comme ça. Pour certaines personnes, un choc, comme s'il y avait un impact. Vous dites non, 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 non. Qu'est-ce que tu fuis? De quoi tu as peur? Qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est pas retournée, elle est tombée, mais elle s'est pas retournée. Vous attendez quoi? Une réponse? C'est un point d'interrogation ici. Il y a quelque chose qui vous... Une réponse à quoi? On dit que vous essayez de trouver la réponse à l'extérieur. La réponse est à l'intérieur. C'est un questionnement ici pour moi. Vous vous prenez la tête et ça vous désaligne. Ça vous sort de vous en fait, ça vous décentre. Quelle est cette réponse que vous cherchez à l'extérieur? Elle est à l'intérieur de vous. Elle est en vous. Et il faut la trouver en vous et ça demande du temps. Peut-être que vous voulez aller plus vite et dire, ah, moi je veux la réponse à l'extérieur. Je la veux maintenant, 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 maintenant. Je veux la réponse. Je veux qu'on me la donne. Même votre corps, vous le précipitez en fait. Et votre corps, il vous dit un peu, 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 fous-moi la paix. Moi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de retrouver de l'énergie, j'ai besoin de me rééquilibrer. Voilà. Et de toute façon, le processus est en route. C'est à vous de le vivre comme vous voulez le vivre en fait, hein. Message énergétique, individuel et collectif. Message pour vous. Je vous vois avoir des situations où vous vous dites, mais c'est pas possible. Je fais tout pour pas aller par là. Je fais tout pour pas voir ces personnes. Je fais tout pour. Et ça me ramène toujours là. Mais pourquoi? Parce que moi, je veux aller là-bas. Mais parce qu'il y a quelque chose que vous fuyez, que vous n'avez pas vu, et qui c'est un processus, et c'est pas mauvais. Parce que ça vous permet d'éclairer ce nouvel espace. Je sais pas comment vous expliquer. Non, j'ai pas demandé. Message énergétique. Qu'est-ce qui prend du temps ici? Blocage à l'envers. Le blocage. Oui. Il y a un blocage où vous vous bloquez vous-même en fait. Mais regardez, hein, dos des têtes. Recentre-toi. Recentre-toi. Pour moi, il est sorti à l'envers. Donc, il y a une situation qui va se débloquer, mais c'est à vous. Comment vous dire ça? Il est important, en fait, c'est comme si l'univers vous guide, en fait, vous dise qu'il est important que vous compreniez quelque chose, que vous conscientisez, que vous mettiez en lumière
cette nouvelle énergie. C'est ça qui va débloquer la situation. La réponse, vous l'avez en vous. C'est de faire confiance, encore une fois, d'avoir la foi, la confiance en l'univers, d'avoir confiance. Encore une fois, vous vous méfiez de quoi? La réponse, vous voulez la chercher où? Pour vous permettre quoi? D'être sécurisé, d'être, de vous dire c'est bon, c'est ok. Non, en fait non. Là, on vous dit non. Vous pouvez plus fonctionner comme ça, en fait. C'est pas possible. Et plus ça va aller, et moins vous pouvez fonctionner comme ça. Et je vous l'ai dit, vous cherchez une réponse, on te dira la réponse quand ça sera le bon moment. Pas avant, les amis. C'est comme si vous voulez la finalité. Voilà, vous voulez la finalité du projet, la finalité de cette expérience. Et on vous dit non, 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 non. Non, non. Et peut-être que ça vous agace ou ça vient chercher quelque chose en vous qui vous irrite ou qui vous met dans l'impatience. Et c'est ça qu'il faut aller regarder. Et pas fuir. Et pas se dire, oh ben non, c'est la faute de l'extérieur. Ou oh non, je vais aller chercher quelque chose à l'intérieur, à l'extérieur, pour m'empêcher d'être impatient ou pour trouver une réponse. Et non, vous ne pouvez plus faire ça. C'est ça qu'on vous dit. Mais la situation, elle va se débloquer quand vous serez arrivé à faire confiance, en fait. Mais pour moi, vous allez trouver cette confiance. Vous allez la trouver à l'intérieur. Il y a comme une révélation que je ressens à travers, vous voyez, à travers le ressenti, à travers cet alignement que vous allez trouver, même dans le désordre ou dans le chaos ou dans, appelez ça comme vous voulez, ou dans cette énergie de feu qu'on ressent d'un point de vue collectif, mais vous allez quand même le trouver pour moi. Vous allez trouver cet espace. Regardez, vous allez l'éclairer vous-même. Elle n'est pas encore allumée la bougie, voyez? Elle n'est pas encore allumée la bougie, mais elle va s'allumer. C'est vous qui allez l'allumer. D'une manière ou d'une autre. Et ces grâces, on me dit, voyez, ces bracelets autour du poignet, là, ça me fait penser à vos expériences de vie, à tout ce que vous avez vécu, que vous avez dépassé autour de vos poignets, là. Hein? Eh bien, c'est comme si je vous voyais mettre le... C'est comme si tout... Comment vous dire ça, ce que je ressens? C'est comme si, dans votre vision, il y a... Vous allez voir le film se dérouler, voyez, de vos expériences, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, à une vitesse phénoménale. Et d'un coup, plaf, le déclic. L'illumination, voilà. L'épiphanie, appelez ça comme vous voulez. Vous allez avoir la réponse à l'intérieur de vous. Et vous allez vous dire, mais c'est pas possible. C'est ça. Et vous allez lâcher, lâcher. Et même votre corps, il va lâcher. Les tensions que vous aviez dans votre corps, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui était sous tension, sous pression. Ça va lâcher. J'entends dissolution. Dissolution.
Attendez, dissolution. Il y a quelque chose qui se dissout. Être ici et maintenant. Et vous allez revenir au moment présent. C'est comme si vous n'y étiez pas jusqu'à présent. Vous étiez dans une forme de projection. Vous attendiez en fait un message, soit qui venait du passé, soit qui venait du futur. Et en fait, ça vous désalignait. Vous cherchiez une solution qui n'était pas dans l'ici et maintenant. Et ça vous faisait tourner en rond, ou ça vous irritait, ou il y avait une surchauffe, ou il y avait quelque chose comme ça. Ouais. Et il va y avoir une illumination qui va vous ramener dans l'ici et maintenant. Pour certains, je vous entends écouter des mantras, de la musique, des fréquences. Je sais pas, il y a un truc avec la musique. Parce que je vois des notes de musique ici. Chakra du troisième œil, la musique. Il y a un rapport avec la musique, les fréquences. Votre troisième œil va s'ouvrir. Il y a le troisième œil Ajna ici. Qui va... On voit un œil ici aussi. Et je vous parlais de la vision. Hein, de vous mettre au service de votre vision. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous mettre au service de votre vision. De ce que vous souhaitez. Dans l'ici et maintenant. Pas dans le futur et pas dans le passé. Pour certains, vous lâchez vraiment un gros bagage, hein, une mémoire, un truc. Et vous allez y arriver. Pour certains, vous voyez, il y a un truc avec la musique, ça peut vous parler. Hein. J'ai la musique ici. Le troisième œil. Peut-être que pour certains, vous entendez des musiques, des fréquences dans vos oreilles. Ou c'est le signe ici que votre vision change aussi. Et on a les mantras. Peut-être que pour certains, vous récitez des mantras, écoutez des fréquences ou des choses comme ça. On a à travers la méditation aussi. Ou ici, pour moi, il y a une nouvelle vibration. Et puis, j'entends aussi que de l'autre côté, on nous envoie aussi des espèces de fréquences sonores, vibratoires, pour nous permettre ici d'ouvrir notre troisième œil et de nous laisser guider. Et ça va nous aider, et ça va vous aider également. Des codes d'activation au niveau fréquence vibratoire, au niveau musique, vibration. Pour certains, vous allez les ressentir plus que d'autres. Dans le sens où vous allez le conscientiser d'autres, ça va se passer, mais voilà. Ok les amis. J'entends la clé d'activation. Donc il y aura une clé d'activation, quelque chose qui va s'activer au niveau du troisième œil, de votre conscience. Conscience collective. Ouais. Regardez. Rétablis un équilibre. Un équilibre va se rétablir pour moi. La carte l'indique, mais je vous l'ai dit aussi. Qu'il y avait un équilibre qui allait se rétablir. Il y avait un déséquilibre. Ici, on voit bien que c'est centré sur la tête. Au niveau conditionnement. Quelque chose qui vous a conditionné. Mémoire, encore une fois. Une mémoire, on me dit. C'est toujours pareil. J'entends mémoire. Mémoire réactivée. Pour se dissoudre et être éclairé, purifié.
et retrouver un équilibre. Donc si vous êtes en ce moment impacté, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui revient ou que vous avez l'impression que vous connaissez, que ça revient, que vous avez l'impression de revenir en arrière, vous ne revenez pas en arrière. C'est une mémoire cellulaire ou une mémoire refoulée, mémoire qui revient, remonte à la surface. Vous voyez, comme je vous disais, les vapeurs là. Et c'est pour beaucoup de personnes. Pour être purifié dans l'amour, dans l'accueil, pas dans le conflit et le combat. Pour établir la justice, on a le 8 ici. 8, on est bien dans une année 8. L'année du karma, on l'a vu, l'équilibre, la justice. Hein? Tout ce qui est juste, tout ce qui doit être révélé, tout ce qui doit être dit, les vérités, pour apporter la justice, elle est juste et tranchante. Donc ici, c'est juste et tranché. Et c'est comme ça. C'est comme si j'entendais, et c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Le karma, c'est comme ça. C'est que vous le vouliez ou non, que vous luttiez ou non, ben, la finalité sera toujours la même. C'est comment vous, vous allez le vivre. Et là-haut, on vous aide à l'accueillir de la meilleure des façons, dans l'amour, dans la compassion, dans l'accueil. Et c'est tout ça ce qui se passe. Et vous, votre chakra du troisième œil, pour certains, il est déjà bien, bien ouvert depuis très, très longtemps, hein, vous voyez. Et donc, du coup, ben... Mais c'est pareil, hein, vous aussi, pour tout le monde, en fait. On me dit novice ou pas novice, ça rentre pas en compte, ça, voyez. Pas du tout. Oui, certains, ils vont aider d'autres personnes, vous voyez, à transmuter, à passer des caps. Mais, bon, on me dit aussi à travers les rêves. Vous faites des rêves lucides, des rêves où vous voyez des choses comme si, oui, comme si c'était là, maintenant. Message énergétique pour le individuel et pour le collectif, pour vous qui regardez cette vidéo. Acceptation du présent. Qu'est-ce que je vous disais? D'arrêter les luttes, ça ne sert à rien. Acceptation du présent, accepter ce qui se passe maintenant et arrêter d'aller dans les projections. C'est ça qui va rétablir un équilibre. Il y aura comme un... Comment vous dire ce que je ressens? On a des synchronicités. Donc, il y aura beaucoup de synchronicités dans votre vie qui vous montreront la direction et vous allez être complètement stupéfait parce que ce n'est pas des petites synchronicités c'est que je vois. Hein. C'est vraiment des synchronicités énormes. On ne peut pas les rater, hein. Ben oui, à un moment donné, pour que vous voyez, il faut mettre des gros panneaux, quoi. Ici, acceptation du présent, c'est comme si je voyais... Comment vous expliquer? Que c'est en créant quelque chose de vos mains, en créant un projet, en créant, à travers la créativité, à travers... Vous êtes un être créateur, créateur. Vous êtes ici pour créer. Hein. Mais à travers la création, c'est comme si vous allez accepter une réalité, une vérité. Et en mettant au service de votre vision, c'est-à-dire ce que vous voulez mettre dans la matière. Ce pourquoi vous êtes incarné, ce qui vous fait vibrer, appelez ça comme vous voulez. Ouais, des grosses synchronicités, les amis. Vous ne pouvez pas les rater. Hein. Et juste derrière, regardez. Signe des guides. Signe de guide. Hein. Des clés, des plumes, tout ce que vous voulez. Je vous l'aide. Hein. Ok.
Ok les amis, on va prendre notre oracle. On va prendre l'oracle. Celui-là, c'est un nouveau que j'ai aussi. Il est super. Et j'en ai un autre qui s'appelle À la rencontre de nos mémoires, justement. Je l'ai acheté en même temps que celui-là et c'est pas par hasard. Je vais regarder s'il y a assez de lumière. Ouais. Donc, je l'ai acheté en même temps que celui-là et je me suis rendu compte que, en fait, c'était le château de Fougeray qui avait sur la jaquette, en fait. Et j'y suis allée au château de Fougeray et j'ai eu moi-même, en tant que médium, des expériences incroyables là-bas. Et c'est après que j'ai reconnu le. Et j'ai vu Véronique Geffroy, qui est la propriétaire, que j'ai rencontrée également. Et je me suis dit, bon, ben, allez-y, let's go, on va prendre celui-là. On va regarder tout ça. Puisqu'on parle de mémoire, il n'y a rien qui est hasard, de toute façon. Alors, déjà à la coupe, on a l'équilibre ici. Hein. On avait vu rétablir l'équilibre. Le secret. Le secret. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé. Je vous l'ai dit, cet espace que vous allez trouver en vous, que vous ne connaissez pas encore. Il va y avoir des opportunités. Des opportunités qui vont vous être envoyées pour que vous puissiez dépasser ce blocage. D'accord? Encore une fois, l'opportunité. Ici, il y a peut-être un contrat qui se signe. Il y a des écrits, des signatures. On vous dit que c'est des opportunités pour retrouver l'équilibre ici pour moi. Quelque chose qui se signe dans la matière. Et surtout un engagement vis-à-vis de vous. Message, point de vue énergétique. Alors, ouais, vous voyez, l'incertitude. Donc, vous êtes dans l'incertitude. Il y a quelque chose qui vous met en questionnement. On l'a vu au début. Hein. Vous êtes, votre avenir est incertain. Peut-être que vous ne voyez pas, vous voyez, ce miroir. Il est flou. La personne ne se voit pas dans le miroir. Donc, il y a quelque chose qui est flou pour vous. Vous ne voyez pas encore les contours, la finalité. Les détails, c'est pas encore là, mais vous touchez quelque chose, et même si vous le voyez pas, voyez, vous ressentez, vous êtes dans le ressenti, dans le troisième œil ici. Donc tout est fait pour que vous connectiez à votre troisième œil, même si vous ne voyez rien, que vous avez l'impression que c'est flou, qu'il n'y a rien qui se passe. Il se passe beaucoup de choses, énormément de choses. Vous êtes connecté. Et plus que ce que vous croyez, les amis. D'accord? Et on a l'élévation avec ce magnifique escalier du château de Fougeray ici. Qui est juste magnifique aussi, en vrai. C'est pour vous permettre de vous élever. Mais petit à petit, ce miroir, il va s'éclaircir, vous allez voir la vérité, voir les... Mais pour l'instant, vous êtes amené à cette connexion avec cette part de vous ici qui est floue. Parce que si c'est flou à l'extérieur, c'est qu'il y a une part de vous qui est encore, qui n'a pas la vérité, qui est cachée, qui n'est pas encore éclairée, qui est un petit peu floue, voyez. Donc si c'est flou à l'extérieur, c'est que c'est flou à l'intérieur. Et au lieu d'aller chercher la réponse à l'extérieur de ce qui est flou, on vous dit, c'est en vous que c'est flou. Et il faut aller le regarder. Il ne faut pas le renier, il ne faut pas le fuir. Et ce n'est pas négatif, encore une fois. Ce n'est pas négatif. Rien n'est négatif ici. Peut-être que vous le ressentez. Et c'est normal, j'ai envie de dire. «
Mais vous n'avez jamais été aussi proche de vous. C'est ça le plus important, c'est que vous n'avez été jamais aussi proche de vous, en fait. Vous touchez quelque chose que vous n'avez jamais touché. Et vous devez le ressentir aussi. On vous dit d'essayer de comprendre ça ou de ressentir ça. Que malgré tout ce que vous vivez, vous n'avez jamais été aussi proche de vous. Vous touchez une part de vous qui n'a jamais été touchée. Par personne, même pas par vous. Et c'est magnifique. C'est une découverte. C'est un voyage. Et c'est là où vous en êtes. Donc, on vous dit, prenez ça comme une découverte. Pas comme quelque chose de négatif ou parce que vous ne savez pas et vous connaissez pas. Parce que ça va vous permettre de vous élever. Message pour le collectif. Qu'est-ce qu'on a? Deux. Ça va pas? Cette carte, elle est merveilleuse pour moi. Elle est vraiment merveilleuse. Elle m'inspire beaucoup de positif, d'amour, de bienveillance. Au contraire. Même si vous avez l'impression que cette situation que vous vivez ou que tout autour de vous, vous voyez que ça vous impacte, parce que vous êtes sensible, il y a quelque chose qui vous impacte, d'accord? Vous pensez que c'est... qu'on ne voit pas les choses, mais on les voit quand même, on les voit quand même, on les ressent. Et on me dit, pour rétablir la vérité, on est obligé de passer par là. Au niveau collectif et au niveau individuel, vous êtes obligé de passer par là. Parce que sinon, vous ne l'auriez jamais emprunté, ce chemin. Vous l'auriez contourné, ou vous auriez fait style, ah oui, non. En fait, non, non. Alors que c'est très important, ce passage que vous vivez. Si ça vibre ce que je vous dis, les amis, en vous. Regardez, le nettoyage. J'espère que vous voyez bien la carte. Le nettoyage. On voit du feu, hein. On voit encore cette bougie ici, hein. Regardez, j'avais pas vu, à travers cette carte, à travers ce nettoyage, juste là, il y a une entité, une âme, quelque chose qui se révèle dans la lueur des bougies et de ce flou ici. Donc, par rapport à ce nettoyage, c'est comme si, oui, il y a peut-être un fantôme du passé qui ressurgit, il y a peut-être une mémoire, comme je vous ai dit, de vos vies antérieures qui surgit à la lumière de la vérité, on me dit, il y a quelque chose qui va être éclairé et nettoyé. Il y avait un secret aussi, on me dit pour certaines, un secret, comment dire? C'est bizarre, on me dit de quelque chose de caché derrière quelque chose de caché. Donc, pour certaines, c'est vraiment peut-être lié à la famille, pour certains. Secret de famille. Ouais, transgénérationnel, encore une fois, mémoire transgénérationnelle. J'ai l'impression que il va y avoir une révélation par rapport à quelque chose de la famille, pour certains. C'est comme s'il y avait... pas un fantôme du passé, mais c'est un peu ça. C'est pour ça que vous avez le ressenti que c'est désagréable et négatif, alors qu'au fond, non, pas du tout. C'est qu'il y a un gros nettoyage qui se fait.
Et c'est pas vous qui menez la danse. Non. Et c'est ça qui vous perturbe, c'est que c'est pas vous qui menez la danse. C'est vos guides qui mènent la danse. C'est votre, je sais pas, vos ancêtres qui mènent la danse. Et c'est ça, hein. C'est comme si vous n'aviez pas de prise quelque part. Vous n'y voyez pas clair. Mais au fond, si vous concentrez sur votre vision et tout ce que je viens de dire, vous verrez que c'est très positif dans le ressenti. Changez votre vision, changez votre ressenti. Message énergétique. Certains, ils nettoient leur environnement. Ils ont fait un gros nettoyage au niveau de leur habitat aussi, au niveau purification, hein, je parle. Intérieur et puis au niveau de l'habitat ici. Et si vous sentez qu'il y a des entités, des âmes autour de vous, c'est le cas. Et ce sont de bonnes âmes. Si vous sentez que vous le sentez de toute façon, même si vous ne les voyez pas, hein, vous ressentez qu'il y a... On vous aide, d'accord? Dans l'invisible. Bon, il se peut que pour certaines personnes, il y ait des signes à travers la lumière. Donc, on éteint la lumière, on rallume la lumière, on éteint la lumière, on rallume la lumière. Il y a un truc avec la lumière. Ou les bougies, quelque chose avec les bougies. Vous voyez, on a les reflets du passé. Encore une fois, je vous l'ai dit, non? Le reflet du passé. Il y a quelque chose dans laquelle vous repassez devant. Voyez, vous le revisitez. Parce que quelque chose qui n'était pas encore révélé est flouté. Et là, c'est comme si vous repassez devant, voyez, vous repassez, regardez. Ici, vous êtes sur devant ce miroir, tout est flou. Vous voyez rien. Ici, il va y avoir un gros nettoyage. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez repasser devant ce miroir et là, tout est clair. Tout est limpide. Je suis désolée pour le bruit autour, hein. Et tout est limpide d'un coup. Et voyez, là, on vous dit que ce n'est qu'un reflet. C'est une mémoire résiduelle, voyez, comme il y en a dans des habitations, voyez, il y a des entités, il y a des mémoires résiduelles qui restent dans les lieux. Ben, c'est un peu ça. Et c'est comme si ça allait être nettoyé ici, pour moi. Ok les amis, on continue. On va prendre l'oracle universoi. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Mais il est superbe et ouais, il a de hautes vibrations, cet oracle. Ok, on continue les amis. Alors là, c'est spécifique hein, pour certaines personnes, mais ça parlera qu'à certaines personnes, vraiment. C'est vraiment certaines personnes. Vous avez travaillé avec l'énergie du miroir. On vous dit de faire attention, d'accord, avec ça. Et de bien nettoyer chez vous. Et de surtout, vous faites ce qu'on voulait, mais de ne pas continuer avec ça. Voilà, c'est juste un message. Vous le prenez pas. Alors, c'est parti. Message pour vous, d'un point de vue énergétique, individuel et collectif. C'est pareil par rapport aux mémoires du corps, hein, cellulaire, hein, dont je vous parlais, hein, qui se nettoie ici.
Donc c'est possible qu'il y a quelque chose qui s'est réactivé au niveau du corps, à une partie du corps, ou de temps en temps, ça se réactive comme une mémoire. On vous dit que c'est en train de se nettoyer actuellement. Et n'hésitez pas à faire des prières aussi par rapport à ça. D'accord? Le plus possible. Continuez les prières. Si vous faites des prières, c'est très utile. N'arrêtez pas les prières. De toute façon, les prières, c'est toujours bénéfique et c'est très puissant. Donc, n'arrêtez pas les prières pour ceux qui font les prières pour quelque chose en particulier. On a la carte 46, les amis. Je vous montre parce que ce sont de très très belles cartes. Peut-être que ça peut vous évoquer quelque chose. Vous voyez, je parlais de mémoire cellulaire, j'ai l'impression de voir des cellules ici. Et puis il y en a une qui est en train de... comment dire? On dirait qu'il y a quelque chose qui s'échappe, qui sort, vous voyez? On a le 10, donc 10 c'est la roue. C'est la roue du temps. Donc, quelque chose qui s'active. Comme si on réenclenchait une nouvelle énergie. Comme un ver dans le fruit. Certains sentiments peuvent inexorablement nous ronger de l'intérieur. La haine, la rancune, la colère sont tes pires ennemis. Car c'est toi-même qu'elles blessent. Pardonner, ce n'est pas justifier l'acte de l'autre, mais le remercier de te permettre de grandir. Donc ici, il est clair et limpide que dans vos cellules, en vous, il y a une mémoire liée à un sentiment de colère, quelque chose qui vous a rongé de l'intérieur, qui était peut-être inconscient encore une fois et qui ressort, qui surgit de différentes manières. Encore une fois, ce n'est pas négatif, c'est pour extraire ça de vous, parce que vous ne pouvez plus vivre avec. Et encore une fois, je dis, c'est vraiment inconscient, c'est cellulaire, ce sont des mémoires. Donc, si vous pensez que ce n'est pas le cas, réfléchissez-y quand même si la guidance vous parle. Et on parle de colère, mais on peut parler d'autre chose, de rancune, de haine. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a rongé, vraiment. Et qui a installé quelque chose en vous et vous ne pouvez plus, en fait. C'est ça qui vous bloque. D'une manière ou d'une autre. Et on vous dit que c'est à vous-même que c'est vous-même que vous blessez. Peut-être qu'il y a des fois des situations qui, comme ça, vous fait ressortir, mais vraiment puissance 10 000, ce sentiment que vous avez déjà en vous et qu'il faut nettoyer, mais très fortement. Comme une injustice, en fait. Et on vous dit de pardonner, de vous pardonner et de pardonner l'autre. Ce n'est pas, on vous dit que ce n'est pas se justifier ou justifier l'acte de l'autre, mais le remercier de vous permettre de grandir. Donc pour moi ici, il y a vraiment une sagesse, une maturité, quelque chose qui prend place. Et on vous emmène à vraiment pardonner. Encore une fois, c'est comment vous voyez le pardon. Et là, on vous dit, ce n'est pas justifier l'acte de l'autre. Là, on vous emmène à passer à autre chose. Pour certains, c'est vraiment par rapport à une personne de votre famille. Je le sens. Ça continue. Mémoire cellulaire, c'est impressionnant. Ce verre-là, en plus, c'est vraiment une guérison profonde par laquelle vous devez absolument passer et que vous ne pouvez pas passer à côté ou fuir, en fait. Et peut-être que jusqu'à présent, c'est une fuite encore inconsciente et peut-être qu'on vous ramène au conscient en vous disant mais quand est-ce qu'elle va comprendre ou il va comprendre qu'il fuit quelque chose en lui? Et on vous aide, en fait. Et encore une fois, c'est positif. Je le répète. Si ça résonne avec vous, évidemment, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. Message énergétique. Oula, il y en a beaucoup là.
Voilà. Bon, on a la carte 25, les amis. Je vous la montre. Carte 25. Qui vous dit? On va la mettre ici. Pour atteindre un objectif quel qu'il soit, des étapes sont nécessaires. C'est ce que je vous disais au tout début. Un processus, des étapes. Ne cherche pas à aller trop vite. Voilà. Concentre-toi sur ce que chaque pas t'apporte et sur ce qu'il faut mettre en place pour poursuivre ton chemin. C'est ce que je vous disais. N'oubliez pas que ces étapes sont nécessaires. D'accord? Concentrez-vous sur chaque pas et qu'est-ce que ces pas vous apportent et vous permet de mettre en place sur votre chemin. S'il faut s'arrêter un moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en réflexion, en méditation, et de vous dire, ben, qu'est-ce que ce pas m'a apporté? Ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place avec ça? Ça. C'est tout ce qui compte. La projection, on est dans l'ici et maintenant, les amis, d'accord? Ouais. On vous amène à conscientiser vraiment la mort intérieure. Que c'est jamais fini en fait. On est sans arrêt en train de se métamorphoser. Qui a prononcé le mot fin? Et on voit en plus c'est les mêmes tons quoi. La vie n'est qu'une succession de métamorphoses. Pas de fin, pas de mort, juste des transformations. Accueille cela, voyageur, et plus aucun rivage, plus aucune falaise ne sera pour toi infranchissable. On vous amène à accepter que il n'y a pas de fin, que toutes tes transformations, et de l'accueillir en fait, et de ne pas lutter contre ça. Et c'est tout un cheminement de processus à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui se passe actuellement. Tout est à sa juste place, c'est comme si on vous disait. On va prendre l'oracle d'Umrazai, qui est aussi incroyable. Et si ça vous parle, les amis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vous savez, c'est important. Et puis, je vous remercie parce qu'à chaque fois, vos commentaires me touchent et vos témoignages, par où vous passez. Voilà, nous sommes tous ensemble, les amis, d'accord? Et merci de participer et de vos témoignages. Merci aussi de vos likes parce qu'un like, vous savez, c'est un merci, une gratitude. Pour le temps et l'énergie offerte. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour agrandir cette famille dans laquelle on fait partie tous, les amis. Alors, message pour vous. Message pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a en grâce. Ce sont des véritables chefs-d'œuvre, ces cartes. Des peintures incroyables. En grâce, comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le souffle, l'air, le vent, la respiration, comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Je vous l'ai dit, c'est comme si on vous apportait un second souffle, comme si on vous permettait en fait de souffler, de respirer, de trouver ce souffle intérieur, ce souffle divin, on vous aide à le trouver. Et c'est quand vous êtes dans cet état de respiration, quand vous êtes présent à vous-même, que vous êtes en état de grâce. Et vous avez déjà dû le ressentir, cet état de grâce. Et vous pouvez y accéder, on vous dit à chaque fois que c'est illimité. Que c'est accessible et qu'il n'y a que vous qui pouvez y avoir accès et vous donner l'opportunité d'y avoir accès.
message pour le collectif et individuellement pour vous, les amis, point de vue énergétique. Ok, le génie créateur. Waouh, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Le génie créateur, vous êtes des créateurs, les créateurs de votre vie. On a la carte 22. Célébrez et osez votre génie créateur. Pour moi, les amis, vous allez retrouver un nouveau souffle. Vous allez oser créer ce que vous voulez créer en vous et dans la matière. Parce que vous allez lâcher un gros poids et vous allez ouvrir cet espace qui est en vous. Il va y avoir une révélation, une rencontre avec vous-même. Appelez ça comme vous voulez, mais ça y est. Et vous allez le célébrer. Vous êtes déjà en train de le célébrer. Et vous quittez l'énergie du saboteur ici. Il était à l'envers. Vous n'êtes plus votre saboteur. Vous ne serez plus ce saboteur. Vous serez votre allié. Votre meilleur allié dans cette traversée. D'accord ? Peu importe la traversée, ce qui compte, c'est d'être votre allié. Et vous allez devenir votre allié. Ouais, l'énergie du saboteur. Vous quittez cette énergie-là. Peut-être que vous avez l'impression qu'on venait toujours saboter votre vie. Il y a toujours quelque chose à l'extérieur qui venait saboter vos plans. Saboter, voilà, ça ne va pas assez vite, etc., etc. C'est parce que vous, encore une fois, il ne fallait pas fuir que vous étiez votre propre saboteur. Qu'il fallait regarder ça en vous. Qu'il fallait l'accueillir, y poser de l'amour, etc. Ne plus fuir une partie de vous ici. La reconnaître, cette partie. Dans l'amour. Message. Et pour moi, vous le quittez de toute façon. Message pour le collectif. Message pour vous, les amis. Point de vue énergétique. Yes. On a l'extase. Ouh là là. L'extase. Bon, j'ai l'impression que tout va se réveiller en vous. Hein, votre corps et tout va se réveiller. Souffle, source suprême, entre en moi et fais de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. Oui, le je suis, l'extase. Pour certains, je vous dis, hein, au niveau du corps, vous allez ressentir des choses puissantes. Hein. On parle encore de Kundalini. Vous allez retrouver votre source suprême à travers l'être divin que vous êtes. Vous allez ressentir cette nouvelle énergie circuler en vous. D'accord ? On parle aussi du chakra racine. Il y a quelque chose qui se libère d'un point de vue au niveau de votre chakra racine, dans les origines, aux origines. On dirait que vous vous ouvrez vraiment là. Fou là. Bon, les amis. Ça fait très longtemps. On va prendre le message des anges. Vous allez reconnaître tout simplement que ça venait de vous, en vous, et que en soi il fallait pas le rejeter, tout simplement. En soi c'est une bénédiction, c'est un éveil de conscience et les choses elles peuvent s'apaiser en vous, dans votre corps, dans votre esprit et s'ouvrir à une nouvelle énergie, un nouveau souffle. Message énergétique.
l'artisan de lumière. Bon, ben c'est ce que vous êtes, les amis. Vous êtes un artisan de lumière. Je suis un artisan de lumière. J'ai conscience que ma lumière intérieure... J'ai conscience de ma lumière intérieure. Je vous l'ai dit avec cette photo, hein, des bougies. Et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Pour certaines, vous devez repasser par ça. Vous voyez, la bénédiction, c'est une bénédiction au fond, tout ça, les amis. D'accord? Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. Et oui, c'est le but ici. Et du coup, tout ce que vous vivez là, ben, c'est un accélérateur de conscience pour vous mener à votre mission de vie. Et pour aider les autres aussi à accéder à leur mission de vie. Ou appelez ça comme vous voulez encore une fois. Voyez, le plexus solaire là, il est... Vous allez, mais alors, rayonner les amis. Hein. Hop. Il y a une feuille ici, énorme, dans l'oracle. Vous avez eu une crise spirituelle. Pour vous, c'était une crise. Quelque chose qui était là pour vous engager avec vous-même, sur votre mission, sur votre cheminement. Trouvez votre place. Ah ben là, vous allez la trouver, votre place. C'est comme une... Ouais, c'est comme si vous partiez en guerre à chaque fois pour aller chercher quelque chose que vous aviez à l'intérieur. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y avait une mémoire qui vous poussait à tout ça. Et que là, elle va se nettoyer, vous allez lâcher prise. Et cette épée, vous n'allez pas la dégainer à tout va. Elle va rester dans votre fourreau et quand vous en aurez besoin, ben, vous l'utiliserez. C'est utiliser votre énergie à bon escient. Vous êtes cet aventurier, cette aventurière de la conscience. On me dit de regarder cette carte. Aventurier, aventurière de la conscience. Vous avez passé un portail en tout cas. On me dit, vous avez passé un portail et c'est la continuité de ce portail. Toi, cher aventurier, chère aventurière de la conscience, tu viens éveiller les consciences, éveiller les cœurs, guider et accompagner. Ton domaine est la thérapie. Donc peut-être que vous êtes dans le domaine de la thérapie ou dans le bien-être ou... Ben, de toute façon, les consciences s'éveillent à cela, c'est-à-dire au soutien, l'entraide et d'être dans une conscience collective, pour le collectif. Ton domaine est la thérapie, l'aide à l'autre, ou en tout cas c'est quelque chose que tu fais naturellement ou qui est emmené à être développé. L'aventurier, l'aventurière ne se sacrifie pas, ni ne sacrifie ses rêves pour les autres. C'est la confirmation que si tu cherches encore ta voie, tu peux faire confiance à ton intuition et en cet appel pour aider les autres. Ton âme est là aussi pour expérimenter diverses initiations et ces expériences comme des outils pour faire évoluer ton âme dans le processus d'éveil. Cette carte t'indique que tu peux partir à l'aventure. On lui dit nouveau voyage, nouvelles compétences, facultés, capacités. Partage avec d'autres âmes en chemin comme toi. Ceci te permet d'être dans une nouvelle énergie. Si tu es en questionnement, on l'a vu, incertitude, ou recherche d'une nouvelle compétence, d'une formation, d'un changement professionnel, cette carte te montre que tu peux franchir le pas. On vous le dit, vous pouvez franchir le pas. Aie confiance en ton intuition qui guide l'aventurier et l'aventurière vers le renouveau. Tu t'engages, l'engagement, car tu as foi en toi, la foi les amis.
et en la vie qui te pousse vers un changement de direction. Oui, levez le blocage ici. Tu dois travailler sur la libération de ton karma et l'épuration de l'ego. Et pour moi, vous l'avez fait ou vous êtes encore en train de le faire. Pas à pas, on a dit les amis. Tu peux te défaire de ce qui pèse lourd, aventurier, aventurière de la conscience. Tu n'as pas peur de passer à l'action. Le passage à l'action peut sortir de l'immobilisme. Et c'est ta force. Écoute ton intuition encore davantage. Fais appel à tes sens. Je vous l'ai dit, les sens, la main sur le miroir. Écoute ton corps qui te donne des signes, qui te donne des signes. Prends conscience que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tu es pleinement responsable de ce que tu as créé, la création, le génie créateur. Et tu as la capacité ici-bas dans l'incarnation de te défaire de tout ce qui encombre, entrave encore ton âme. L'aventurière de la conscience prend soin des siens et soin de son temple. Ce temple est intérieur. C'est ça les amis, votre temple intérieur ici. On vous ramène à votre temple intérieur. L'aventurier, l'aventurière est connecté aux énergies de la mère cosmique qui vient sauvegarder, remettre à la norme tout ce qui a pu par le passé. Hein, on l'a vu ici, les énergies du passé. Tout ce qui a pu par le passé, les guerres galactiques et les blessures de l'âme, être détourné, brisé et blessé. Et tout ça, c'est pareil d'un point de vue collectif, je vous l'ai dit tout à l'heure, les amis. Ce qui paraît flou, toutes ces mémoires qui remontent à la surface comme de la fumée qui sort de la terre, est fait pour être épuré. Par ces expériences passées, c'est les mémoires karmiques aussi de la terre, du monde. Par ces expériences passées, les mémoires de l'âme multidimensionnelles, l'aventurier, l'aventurière sait reconnaître le jeu de l'ombre. Et lorsque celle-ci brille et se fait passer pour la lumière, maintenant vous savez discerner. Vous avez du discernement. La lumière est la lumière et cela est. Permet à l'aventurier et à l'aventurière en toi de mettre en exergue une situation avec laquelle on se joue de toi. Et que tu peux écarter en reprenant ton pouvoir. Donc pour certains, vous reprenez votre pouvoir en vous écartant ici de situations où on se jouait de vous. Encore une fois, pour apprendre. D'accord ? Mais pas dans la lutte et en guerre, mais en paix. Est-ce que je suis disposée à lâcher les armes pour revêtir mon habit d'aventurière et d'aventurier au service de la lumière? Donc on vous dit, est-ce que vous êtes disposée à lâcher les armes, l'armure, pour revêtir votre habit d'aventurière, c'est-à-dire avoir confiance en vous, ne plus être dans la lutte et être au service de la lumière ici? Suis-je prêt à m'engager au service de mon âme et de la source? Est-ce que vous êtes prêt? Si c'est non, ben vous avez encore du temps. Si c'est oui, ben allez-y. Quelle est la première action que je peux poser pour prendre ce nouveau départ? C'est la question qu'on vous pose. Et là, il y a un mantra en français. Conduis-moi de l'irréel au réel. Conduis-moi de l'obscurité à la lumière. Conduis-moi de la mort à la vie éternelle. Mon âme est une aventurière de la conscience. Libre, je m'engage sur la voie de réalisation de mon être. Voilà les amis. On va prendre une dernière carte avec une carte de Compostelle. Alors, s'il vous plaît, une dernière carte pour vous. Message. Ouh! Oh ben, vous voulez venir aussi celle-là. Donc, je vais la prendre aussi, mais je vais en prendre une autre. Message. Énergétique. En fonction de cette petite insigne.
me dis 3. Bon, ben on va en prendre 3. Il doit y avoir une raison. Alors là, il y en a 2. Et la dernière. La dernière, les amis. Hop. Ouh. Ok. Bon, on me dit là, c'est bon. Ok. L'apocalypse de ton être. C'est ce que je vous disais, c'est peut-être ce que vous ressentez. Hein, l'apocalypse. L'apocalypse. La personne que tu es né peut devenir l'être que tu sens sans douleur. C'est bien en levant le voile de tes illusions que tu pourras conquérir pas à pas l'immensité de ton être. Pour cela, résister aux révolutions de ton fort intérieur, il te faudra. Donc c'est bien ce que vous vivez ici, d'accord? Ou que vous avez vécu. On me dit de prendre la première. Donc la première, c'est parti. La crise. Ok, on l'a vu ici. Hein. La crise spirituelle. La crise. Une crise est toujours suivie d'un apaisement, les amis. L'effondrement de ton monde est le signe que tu attends. C'est ça. C'est parce que ça s'est effondré que vous allez vers le meilleur, les amis. Même si ça vous paraît... Et pareil pour le monde, pareil pour ce qui est en train de se passer. L'effondrement de ton monde est le signe que tu attends. Tu es sur le pas de la porte de ton intérieur. Tu l'as enfin trouvé. Fais confiance. Oui, les amis, fais confiance, on vous l'a dit. Hein. Prendre l'équilibre de ta vie est ta plus grande chance. Perdre l'équilibre de ta vie est ta plus grande chance. Perdre l'équilibre a été votre plus grande chance, les amis. Hein. C'est souvent après des crises comme ça, spirituelles, qu'on se retrouve véritablement. Ici, on va prendre celui-là. Open bar. La carte 66. Dans la vie, il n'y a que deux choses que tu ne peux ou que tu ne dois pas maîtriser. Ta naissance et ta mort. Pour le reste, c'est open bar. J'adore. Oui, c'est toi qui crée ta vie. Et là, on a le destin. Et ça, je pense que c'est celle qui va clôturer la guidance. Rien ne sert de te cacher, rien ne sert de te renfermer. Le destin ne persécute que les égarés. Tu peux toujours courir, enfouir, essayer d'oublier. Sans vision ni courage, il sera toujours là pour te rattraper. Je vous l'ai dit, les amis, on ne peut pas fuir. Tu te sens débordé, perdu, acculé. Tu es sur le bon chemin, ton chemin, vivant, vivante. Tu ne veux plus te transformer ? Tu préfères tout bloquer, arrêter, souffrir et pleurer. De toute façon, tu vas pleurer. La synchronicité se mêle aussi du destin des égarés. Ici, c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver, les amis, même si ça paraît dur, voyez. Mais, et on parle encore de synchronicité, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, vivant et vivante, et plus vivant et vivante que jamais. Voilà. Ben écoutez les amis, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Vous savez que j'aime beaucoup vous lire et que je vous lis tous. N'hésitez pas à liker pour un merci, pour une gratitude. Et n'hésitez pas également à vous abonner et à activer les notifications les amis. Comme ça on va grandir, faire grandir cette belle famille. Voilà, je vous embrasse très fort. Paix et amour sur vous, les amis. Je vous aime très fort. À bientôt.